C'est très fort, je l'avais jamais vu dans les Resident Evil, c'est très très fort. Je sais pas c'est quoi comme virus. Ok, on continue. C'est incroyable, quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Il y en a encore. Alors par contre, j'ai les cheveux hyper gris quand même. Ah d'accord. Flacon étrange trouvé dans votre poche à votre réveil chez les Baker. C'est probablement très important. Et si je le regarde? E001. Mais c'est le virus. Ça doit être le virus. D'accord, j'ai rien. Inventaire littéralement vide. Ok. Bonne ambiance dans ce bateau. Il y a un truc qui va sortir de l'eau. Attendez. On peut fouiller là, il est possible de trouver des choses. Lui, je bégaye. Bah attends, le jour où on te paye une croisière comme ça, tu sais que le mec il t'en veut quoi, tu vois. What the hell? Ok. Oh, il y a un truc qui est passé. Qu'est-ce que c'était? Elle s'appelle pas Evelyne? Emmeline? Evelyne, je crois que c'est. Hein. Je crois que c'est Evelyne. Ok. On continue. Tiens, allez, c'est bien, on va monter comme ça, il n'y aura pas d'eau. J'aime bien quand il n'y a pas d'eau. Parce qu'il se sort toujours des trucs chelous de l'eau. Et c'est pas cool. Et en plus, je sais pas nager. Ok. Oh, super classe quand même. Là, les gars, il y a de l'œuvre. Il y a de l'œuvre. On est sur quelque chose d'artistique. Ok. On continue, hein, les gars, écoutez, il se passe rien. Ah mais attention, tout ça c'est qu'il va falloir le refaire en sens. Oh d'ailleurs. Un petit pistolet, non? Ça ferait pas de mal. Y'a rien. Oh! Ils sont morts! Ils sont tous morts! Qu'est-ce que tu dis? La salle des machines! Putain, qu'est-ce que tu racontes? Elle les a tous tués! Oh merde! Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Il nous faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire? Je sais rien, mais... On peut peut-être sortir. Ok. En tout cas, on se retrouve à poil. Ok, là, y a rien. D'accord. On peut suivre ce qui s'est passé. L'histoire des mecs. Et pour l'instant, c'est totalement incroyable. Ce qui s'est rien passé. On ne sait pas encore. C'est du pétrole qui a pris forme, peut-être. Je sais pas. Du pétrole vivant. On n'a toujours pas d'armes. De toute façon, il peut rien m'arriver. J'ai pas d'armes, les gars. Soyez pas cons. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh! Oh, on peut encore avoir des pièces antiques! Ça veut dire qu'on va retourner là où il y a le... C'est impossible. Ça veut potentiellement dire qu'on va retourner là où il y a la caravane. Et donc en arrière. Vous imaginez, c'est une histoire sans fin. À chaque fois, on retourne dans la maison, justement, des Baker. Oh putain, ce serait terrible. Ce serait terrible. Ok, il y a quoi là? Ok, y a rien, ça me rappelle énormément Resident Evil Révélation. Ok. Ah, des toilettes. Dont un mec qui a le bras dans la culotte, il a passé une grosse soirée. Ok, on peut toujours pas save. Ok, registre de l'équipage. D'accord. Dwayne. Ok. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Par contre, ils sont nombreux. Ça me dit rien. Ils sont 6, quelque chose comme ça. T'es con ou quoi? Il devait sûrement se cacher pour échapper à quelque chose. Mais comment il est rentré? Enfin, je veux dire, le casier, il est quand même petit. Et lui, il n'est pas... Il a mangé, quoi. Enfin, il a raison, le frérot, mais... Ok, on continue. Ah, les chiottes. Mon endroit préféré dans un jeu d'horreur. Toujours pas d'armes, toujours rien. C'est incroyable. Lui, il a passé une trop grosse soirée. Il a passé son temps à vomir, le bordel. Ok, on continue, toujours rien. Oh putain. Attention quand même. D'accord.
Alors, à noter que partout, mais réellement partout, il y a des tableaux de type hardcore, c'est-à-dire divin, truc avec des ailes d'ange qui coupent des têtes, là, le bordel. Doucement. Ça peut faire mal. Est-ce que tu te souviens? Quoi? Qui as-tu? C'est incroyable! Bah vas-y, hein, on y va, hein, on va pas tergiverser. Hein. On n'a pas trop le choix de façon. Vas-y, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Elle me ressemble, c'est mon portrait craché? Est-ce ma fille? Il va se passer quelque chose. Oh là, attends, ça fait si mal que ça de monter une échelle là, parce que... Salut frérot, toi t'es pas bien. Ok, bah d'accord, bah faut tomber là-dedans. Jusqu'ici, incroyable histoire, hein. C'est bien, on parcourt tout le bateau, mais alors, pour le moment, je connais pas trop la raison, je t'avouerai. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. De quoi est-ce que tu parles? Tu l'as dit! Alors, écoute! Attends! C'est chiant les gamins, merci putain! D'attendre. Ah, ça casse les couilles quand t'es gamin là! Ah, par contre, ça. Sacré pouvoir. Ok, on peut utiliser ça. Bon, c'est verrouillé, je. Ok. Il y a un truc là-haut qui fait des bruits chelous. Une petite arme ne serait point de refus. D'accord. D'accord. Et comment ça marche en fait? Je me fais enculer ou... Nickel. Il y a des mecs partout. Impeccable. Un vrai petit plaisir. J'ai pris quoi? Je sais plus ce que j'ai pris. Ok, j'ai fait me faire enculer. Il y avait un tiroir que je pouvais ouvrir. Allez, j'y vais, j'en ai rien à foutre, j'ai pas d'armes, putain, merde. Hein? Trois étages! Ok, direction le deuxième. Bien, on va direct au troisième à la fin du jeu, non? Ah bah très bien, allez hop, on va direct à la fin du jeu. J'insiste pas moi quand ça se passe comme ça les gars. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? D'accord, là je peux passer. Ok, là on peut passer. D'accord, lecteur vidéo. Oh putain! Regarde ça! Non. Quoi? Pourquoi? Tu dois te souvenir. Comme ça, on pourrait être une famille. Tu vas faire quoi? Tu vas disparaître? Vieille cassette. Si je t'arrache, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Dis-moi, là, une petite claque, là. Vas-y, j'aimerais bien lui mettre une petite dosette, quand même. Hein. Ah, on pouvait sauvegarder ici, fut un temps. Ok. Bah, c'est parti. Écoutez, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va lire la cassette, hein. Test sujet E001. D'accord, je suppose qu'elle était cobaye, la gamine. Et c'est Mia qui filmait, apparemment. Soyez sympa, rembobiné. Ok. Ok, c'est l'heure des révélations. On n'a toujours pas pu sauvegarder jusqu'ici, hein. C'est que si jamais j'étais mort du mec auparavant, triste fin, quoi. Très, très triste fin de jeu, hein. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est qu'une diarrhée aiguë, hein, c'est pas non plus... Faut pas en faire tout un pataquès. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Elle t'a pas attaqué? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens. Il contient des échantillons de ces tissus.
Allez, Evie, où es-tu ? D'accord, je suis censé réparer donc... Ah, Evie, donc Evelyne. Bien ce que je disais. Je suis censé réparer ces conneries. Munition de mitrailleuse ! Ah oui ! Ah ouais ! Une petite PP90. Ah, tu rigoles pas, j'apprécie. Division des opérations spéciales. Directeur Alan Drowney, responsable Mia Winters, donc moi. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyn si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous avez donc pour ordre de la transférer vers notre branche centra-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. L'ordre du transfert, assurez-vous de suivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn afin de ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. D'accord. Ok, bon bah apparemment ça a échoué, hein, vous l'aurez compris les gars, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai un inventaire, littéralement vide. C'est incroyable, imagine on n'est qu'à la moitié du jeu. Ce serait totalement... Alors attends, là j'aime bien parce qu'il y a de la lumière. Elle est proche. D'accord, en fait ça me permet de savoir si elle est proche ou non. Ok, le nombre indique la distance. D'accord, mais comment je fais pour regarder le nombre ? Non, ça sait se protéger. Ah, dès que je bouge pas, d'accord. Eh ben, vous savez quoi ? On va l'opposer, hein, n'est-ce pas ? Parce qu'on est bien. Monter ? Monter quoi ? Monter quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est... What the hell ? Ah oui ! J'ai acquis des compétences particulières au cours de ces 30 dernières années. Très bien, à noter qu'on ne peut toujours pas, bien évidemment, sauvegarder. Munition de mitrailleuse. Ouais. Elle est proche, hein. On se rapproche. On se rapproche toujours. Qu'est-ce que c'est ? Putain, j'ai un nombre de munitions de mitrailleuse, laisse béton. Est-ce qu'au moins on va pouvoir lui tirer dessus ? Je doute. Je doute, vu qu'elle est toujours vivante après. Ah ! On va passer par là. C'est verrouillé de l'autre côté, très bien. Ah bah elle est là. Alors qu'est-ce qu'on elle fait? Elle vomit. Merde, je dois la réinitialiser. Comment ça se passe? Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Bon, il faut la trouver vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Ok, là on recule. On recule, mais bon. Hop, c'est verrouillé de l'autre côté, très bien. J'ai quelque chose à mettre ici. Putain, mais j'ai encore l'échantillon de tissu. Mais c'est donc ça le E0 mes couilles. C'est son échantillon de tissu. Et oui, E001, d'accord. Ok. On fouille tout, hein, les gars. D'accord, très sympa. Faut mourir, monsieur. C'est gênant. De l'herbe. Je prends. Voilà, j'étais obligé de le tuer parce qu'il y a quelque chose ici. Et c'est un fusible, un porte-fusible, me semble-t-il. D'accord, ok. On va pouvoir dépasser l'inventaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une caisse tout à l'heure, donc je suppose que... Ok, on se rapproche. Peut-être dans l'ascenseur, hein, au final. D'accord, par contre... Il est toujours vivant, là, lui. Salut, cowboy. Par contre, on peut toujours passer, Yves, en fait. C'est chiant. Ok, on peut toujours pas sauvegarder. Ils veulent pas. Tu ne peux pas sauvegarder dans le bateau. Ok. Ah ! Ok, c'est bon. On est large.
Alors, on a ici un fusible qu'on ne peut point récupérer. On se casse, ça ne fonctionne pas, pardon. D'accord, on va où? Au deuxième, au troisième, au moins deux. Bon, vas-y, on va au moins deux, hein. Quitte à aller en enfer, autant y aller le plus rapidement possible. Et on s'en rapproche en plus, impeccable. Ah, j'aurais peut-être dû aller au deuxième en fait. C'était peut-être pas le meilleur. D'accord. Ok, là-bas y a pas mal de trucs dégueulasses. Ok. Ok, je me suis protégé à temps. Ça va aussi, oh, calme-toi petit. Ok, c'est bon. Alors, très sympa cette mitraillette, mais alors putain, il faut deux chargeurs. On voit que dalle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut deux chargeurs pour tuer un mec. On n'est pas super bien. De l'herbe, c'est cool de l'herbe les mecs. Ah, munitions. Ça fait plaisir. Ah, toi par contre, t'es un peu plus méchant que les autres normalement. Quoi? D'où tu cours comme ça là? Quoi? C'est incroyable! Je peux fusionner de l'herbe? On va rester comme ça, j'en ai rien à foutre. Ok, c'est fermé. C'est pas grave, je vois très. Oh! Bombe télécommandée, impeccable. Et je me les fourre dans le cul et ça fonctionne. D'accord. Ouais. On a toujours pas pu save, impeccable. Il y avait quelqu'un ici. Munitions, je prends volontiers. Ok. Alors, elle se déplace ou quoi? Parce qu'à chaque fois, on est à 30 mètres là, gros. Foutez de ma gueule, les gars. Ah, eux, ils sont pas contaminés par contre. Elle a l'air de se déplacer. C'est pas moi qui ai ouvert la porte. Il y avait un monstre ici qui était apparu avant que je fasse demi-tour. Où est-il passé? Regardez, on se rapproche, mais. Putain, c'est pas vrai. Tout est fermé. 4 mètres. Alan, je crois qu'elle est de l'autre côté de cette porte. Quoi? Mais je n'ai pas la clé. Essaie de faire fondre la serrure. T'es au niveau inférieur, c'est ça? Regarde dans nos affaires. Ok, allez, on part sur de la fonte de serrure. Les gars, faut penser à huiler un petit peu vos mécanismes, hein. Vous êtes chiants, là. Ah oui! D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. J'en ai rien à foutre. Soin direct. Ok. On peut donc faire fondre cette serrure. Mais alors, je peux aller aux étages supérieurs et faire fondre les autres aussi. Parce qu'elle est derrière cette porte. On va le faire de ce pas. On va s'en garder un quand même, hein. Ils ont peut-être pas tout prévu, hein. Il y en a trois. Acide fort capable de dissoudre certains métaux. Ouais. J'ai bien envie. Bah attendez, on va faire la porte de derrière. Eh les mecs, autant fouiller et connaître tout de suite notre environnement, n'est-ce pas? Il doit pas y avoir grand chose à perdre, je suppose. Ok. C'était ici. On va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, ma petite gueule. Eh ouais. On prend. Oh, quoi? Oh oui. Ah bah, je vais faire toutes les pièces du haut. Toutes les pièces qui m'étaient interdites jusqu'à présent. C'est impeccable. Eh ouais, qui l'eût cru, ma petite gueule. Allez, on est parti, les gars. On va à l'étage du dessus. C'est fermé, ça. Oh, je suis jamais allé là-dedans, tiens. Attends, si je suis déjà allé là-dedans. Je vous ai menti. Allez, nous y voici. On est parti. Un peu de corrosif, frérot.
Mais c'est pas que du corrosif, ça fait un truc bizarre. On dirait le métal fond. Bon, c'est le projet du corrosif, mais enfin... On dirait que ça devient carrément du métal infecté. Tu es fâchée contre ma maman ? Non, Evie. Je ne suis pas fâchée. Attends, comment tu m'as appelée ? Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie. Je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. D'accord ? Où es-tu, Evie ? T'es parti. Ta famille pleure et la fête est finie. Bon, ok, on continue. On continue. Alors, ici, il y a une petite passerelle qui fait tout le tour. Donc, je pense que c'est pour contourner un monstre qu'on aura dans cette pièce au retour. Notez bien ça. Quoi ? Et t'es où, là ? Ah oui, d'accord, t'es parti de l'autre côté. Ah, t'es chiant. Evie, attends ! Est-ce que tu l'as trouvée ? Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va ? Occupe-toi seulement de ramener Evelyn. Ok. Donc, il va y avoir des monstres pas très gentils. Je prends ça, gros. J'en ai rien à foutre. Désolé! Ah! Ma putain de guerre, c'est pas la mienne! Ok! On reload! Reloading! On va par où? C'est pas par là. Je sais plus où je suis. Ok, si c'est par là. Putain de guerre, ma gueule ! Qui n'est pas la mienne ! Ok. Je sais toujours pas comment ça fonctionne, ce truc de merde. Allez, dégagez. Allez, dégagez. Rien à foutre. Ok. D'accord, j'ai compris comment ça fonctionne. Incroyable. Ok. Va y avoir quelqu'un d'autre dans l'ascenseur. Elle est partie au troisième. Bon, j'ai rien à foutre. De la chance. Ok, c'est bon. Non. Ah, troisième. Un nouvel étage. Sympa. Putain, on est pas bien les mecs, hein. J'ai compris comment fonctionnait, faut donc le poser au sol, c'est incroyable. Système de verrouillage d'urgence activé. Putain, mais en tout cas, c'est jusqu'ici, c'est énorme, vraiment, l'expérience, j'ai kiffé le jeu de ouf, hein. On va voir le frérot ou pas? Là, je peux plus regarder ma montre. Décroche. Alan, où es-tu? D'accord. Evie est en haut. Ok, Evie. Ok. Et pour aller en haut, c'est l'échelle de là-haut, je suppose. D'accord, ici c'est fermé. Ok, je sais par où elle est. Ça va être super sympa en tout cas. C'est beaucoup plus éclairé que tout à l'heure par ici, non? Ok. Ah! Mais je m'étais protégé! Putain! Quoi ces conneries? On soigne. J'ai plus d'herbe presque. C'était... Oh putain, mais j'ai vraiment utilisé l'herbe. Ok.
Ok, c'est parti. Bah putain, par contre, corrosif, il donne pile poil ce qu'il faut, hein. Pas plus que le bord. Ok. Bon, allez, on va passer aux bombes télécommandées, ça va les comédies. Ok, là, il n'y a toujours rien. Ok. J'ai compris comment ça fonctionne. Tu leur brises les jambes. Allez. Allez, ma soeur. C'est quoi ces conneries? Pourquoi je peux pas, là? Allez, ma soeur. Je suis sûr que c'est de l'autre côté, non? Mais... c'est incroyable! Ok, c'était pas là. Un peu déçu. Ah, 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 ah. Oh, putain, mais j'ai plus d'herbe. J'ai plus du tout d'herbe. Et là? Bah écoutez, j'ai essayé. Le projet paraissait bon. Mais bon, ça reste que du vomi au final. Je comprends pas là, ma soeur. T'es parti où? Ok. Ah ouais, attendez. Mais non. Si, c'est par là. Voilà. Montez. Allez, c'est parti. Putain, j'ai plus rien, les gars. J'ai plus d'herbe, j'ai plus rien. Je pense que c'est la mort du petit cheval, hein, clairement. Je suis pas sûr de survivre, les potes. Hein. Et là, faut aller au troisième. Bah oui, parce qu'elle est en haut, forcément. Ouais, mais... ah! Ok. Un peu d'herbe? Messieurs, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Et là, un petit peu d'herbe. Toujours pas. Là, non, dans les coins. Oh, les mecs, s'il vous plaît, donnez de l'herbe. Non, mais là, franchement, c'est chiant. Gros, je vois flou depuis 30 ans. Je sais plus comment je m'appelle. C'est terrible. Ok. C'est pas grave, hein. Si vous voulez pas! Voilà, alors toi. Toi, ma petite gueule. Attendez, hein, je regarde s'il n'y a pas de l'herbe. Non, il n'y a rien. Alors toi, ma petite gueule, tu vas me la jouer à l'envers. Comment es-tu arrivé ici? Oui, mais... elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle s'en détériore. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Ne dis pas ça. Garçon, ma chambre. Oh non! Attends! Evie! Non, Evie! Evie! Alan! Je voulais pas! T'as fait comme ça! Elle Evie, essaie de prendre je le pas, contrôle! Non, je voulais pas! Tu dois la combattre! Ce que je voulais. Evelyne, arrête! Arrête ça tout de suite! C'est tout malade! D'accord, elle est rentrée en moi. Ok. Ok, les gars. On peut continuer. Ah! Il est temps d'écrire à Ethan, mon mari. Thank you.
Tu avais raison. Je t'ai menti. N'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... Reste à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Et sois heureux. D'accord, on en revient au tout début du jeu, la toute première vidéo, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment le petit feu, ça. On voit toujours rien, par contre. Apparemment, acheter une longue torche, c'est beaucoup trop cher de nos jours. Ah d'accord, je pouvais même passer par ici, je ne savais même pas. Ok, très bien. Ok, on continue, les gars. Toujours pas de heal. Ah d'accord, tout ce que je touche. Ah oui, d'accord. Ah ok. Oh putain! On va être ensemble pour toujours. Oh la vache! Ok, c'est profond. Tu te souviens maintenant ? Oui, Evelyn, je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant ? Non, Evie, on ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Putain, voilà, t'as été conne, hein ? Fallait dire oui, oui, oui. Moi, je... Oui, on est une femme... Oh, bien sûr qu'on est une famille. Attends, viens, viens dans mes bras, ma sœur. Allez, fin de l'épisode... fin de l'épisode 11. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt. Et sûrement pour la fin du jeu, dans le prochain épisode. C'était incroyable. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.